Je ne pensais jamais connaître un jour ce sentiment. Être en amour. Car pour nous, c'était un crime. Quelqu'un se devait de répondre au tabloïd. J'ai donc écrit des lettres remettant en question tous les préjugés envers l'homosexualité. 9 maisons, 7 chiens, 47 ans ensemble et toujours pas des époux légaux. Donc, nous avons amené notre cause devant la Cour suprême. Jimmy Gunn et Jack Nesbitt attendent le verdict dans leur lutte pour obtenir des droits conjugaux. Allô? Ce jour-là, nous avons perdu, mais nous avons fait une différence. Dans l'affaire Jimmy Gunn, la Cour suprême jugea que l'orientation sexuelle est protégée sous la Charte des droits. Une victoire historique pour la communauté LGBTQ2.